J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Jésus-Christ, le roi des rois, il est le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois, les démons s'abaissent devant lui. Les démons s'abaissent devant lui. Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Les démons s'abaissent devant lui. Les maladies s'abaissent devant lui. Même Satan s'abaisse devant lui. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Les démons s'abaissent devant lui. Les problèmes s'abaissent devant lui. Les maladies s'abaissent devant lui. Tu es le roi des rois, mon sauveur. Nous te disons merci de l'être, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tu domines sur toutes choses, mon roi. Tu es seulement celle qui contrôle effectivement toutes choses sur cette terre, dans les cieux, même sur la terre, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Et toutes choses sont tout sous ton contrôle à toi, mon sauveur. Gloire te soit rendue encore ce soir. Merci vraiment de tout notre camp pour les chants qui sont montés devant ton trône de grâce, mon Père. Merci aussi pour les prières, l'adoration, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous sommes un peuple qui t'appartient et soumis aussi à toi. Merci encore de nous accorder cette grâce, ce privilège. Oh Dieu, de pouvoir être encore dans ta maison encore aujourd'hui. C'est vrai, comme ton serviteur de prière, c'est ma vraie personne, oh Dieu, que nous sommes
sommes heureux dans ta maison à toi, béni Père Tibissant. Quand nous venons, c'est vraiment une reconnaissance et nous sommes consolés, réjouis aussi, béni Père Saint-Dieu. Et quand nous sommes affaiblis, quand tu penses à nous, Père Tibissant, Dieu, au travers des chants, des cantiques, la prière, tu nous relèves aussi, mon béni Père. Nous te disons merci de te soutenir encore de nous, béni Père Saint-Dieu, de nous accorder cette grâce, va être aussi à toi, de marcher aussi pour toi, Père. Nous pensons à tous nos frères et sœurs là où ils sont, ceux-là aussi qui sont à la maison affectés aussi, mon béni Père Saint-Dieu. Que ton nom se bénisse, que ta parole à toi puisse aussi les réjouir, mon béni Père Dieu, le consoler, les fortifier, les délivrer, Père Dieu, et les raccorder aussi cette grâce, vous encore, qu'on va te servir, malgré les épreuves et les combats, mon béni Père Tibissant. Nous sommes persévérants, mon béni Père Saint-Dieu. Rien ne peut nous décourager, béni Père Tibissant, mais nous sommes fermes en toi, béni Père Tibissant, et confiants en toi, mon béni Père Tibissant. Relève ceux qui sont malades, béni Père Tibissant, Dieu, ceux qui sont affaiblis, mon béni Père Saint. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi, le Seigneur. Réellement, tu prends soin de nous, Père. Dans ta parole à toi, béni Père Tibissant, pour notre santé, notre état, béni Père Tibissant, Dieu. Soutiens ton peuple, mon béni Père Tibissant. Que personne ne puisse tomber, mon béni Père Dieu. Mais que tout soit relevé par toi, mon béni Père. Nous te disons merci pour le psaume aussi, béni Père Dieu. Oui, c'est vraiment une grande grâce de voir ta voix, mon béni Père Tibissant, dans toutes les circonstances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Oh, nous te remercions pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment exalté. Il est vraiment un soutien pour nous. Hein. Qu'il soit béni pour son secours qu'il nous apporte tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Il est le roi des rois. Il règne et il domine et il contrôle sur toutes choses. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il s'est fait connaître à nous. Enfin que réellement que dans toutes circonstances. Oui, le Seigneur l'a dit dans sa parole, que je bâtirai donc mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce que Dieu a choisi et ce que Dieu fait, c'est cela que le diable cherche à pouvoir davantage détruire. Adam était cette œuvre de Dieu et aussi l'amour de Dieu aussi, effectivement, la joie de Dieu, et que, parce que le Seigneur prenait plaisir de pouvoir réellement parler avec lui, c'était aussi quand même son chef-d'œuvre. L'homme est l'être qu'il a voulu avoir parce qu'il l'aimait, il le chérissait. Il prenait plaisir de pouvoir réellement venir communier, parler avec lui. Et c'est là que Satan, effectivement, il va pouvoir effectivement se déchaîner aussi et pour pouvoir réellement chercher à pouvoir détruire. C'est aussi la même chose comme le Seigneur a eu à pouvoir lui dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire que toute l'armée de Satan et tous ses démons et tout ça chercheront toujours à pouvoir détruire l'église. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a donné une parole de promesse dont nous savons que peu importe les circonstances, nous traverserons des moments difficiles, effectivement, nous pouvons le voir. Au travers des âges, combien nos frères et nos sœurs qui ont passé par cela ont traversé des moments tellement difficiles, mais ils ont toujours été secourus. Comme nous l'avons entendu dans les psaumes ici, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Nous voulons réellement réaliser que la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir connaître ce Jésus de Nazareth, de pouvoir réellement aussi être revêtus de son nom, de porter son nom dans les eaux du baptême, c'est une grâce extraordinaire. Parce que lorsque nous observons cela, il est dit, même, et le Seigneur le démontre combien c'est vraiment important, je suppose que c'est dans le livre de Malachie où il exprime aussi cela, pour que nous puissions comprendre cela. C'est dans Malachie au chapitre 4, je pense que c'est cela, et il nous montre, effectivement, à nous tous, pour que nous puissions pas. Il dit, verset 1, Malachie 4, verset 1, il dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tout le hautain et tout le méchant seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Vous suivez? Verset 2, il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom. » Voyez-vous, c'est une grâce extraordinaire de pouvoir connaître ce Jésus, connaître
la puissance de son nom. Parce que beaucoup de gens, effectivement, sur cette terre, parlent du nom de Jésus. Souvenez-vous, nous en avons parlé, parce que il faut que nous connaissions le Seigneur, notre Dieu, selon sa pensée à lui, selon la manière dont il veut que nous puissions le connaître. Et il faut que nous comprenions d'avance ce qui que Dieu aime le respect, la crainte. Il nous dit, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je pense que cela est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29. Nous revenons là, Ésaïe, au chapitre 29. Je suppose que c'est là que Dieu nous aide. Ésaïe 29, il est dit aussi, est-ce que... Il sent que c'est cela, oui. Voilà. Il ne le fait pas, de cela, merci Seigneur. Il nous dit, dans Ésaïe chapitre 29, et je pense qu'il nous dit, en nous montrant effectivement cela, il dit, verset 13, il dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Alors, ce que, comme nous le disions, il est en fait certain, le Seigneur l'a dit aussi dans sa parole, il dit, les vrais adorateurs adoreront donc Dieu, notre Seigneur, en esprit et en vérité. Ce sont donc ceux-là que le Père demande. Voyez-vous, il faut que nous comprenions que Dieu veut que nous puissions demeurer dans la vérité. Les autres qui sont à l'extérieur, effectivement, qui marchent comme bon leur semble, effectivement, et qui se sont fait un Dieu en cherchant à pouvoir adorer le Dieu d'Abraham, parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tous ces hommes-là, dont ces patriarches dont on nous a fait part, effectivement, ils savaient comment adorer ces dieux. Ils savaient vraiment la crainte, le respect et l'amour, parce qu'on se souvient toujours d'Abraham que Dieu a toujours aimé. Même quand il fallait aller adorer, il savait comment faire. Il prenait le couteau, il prenait le feu, et tout ce qui était, mais toujours aller le faire avec crainte, respect à l'endroit des choses de ces dieux. Parce qu'on ne peut pas offrir Dieu quelque chose de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que si on va poser un acte pour ce Dieu, il faut que ça s'accompagne de cette considération, de cette vraiment amour effectivement à l'endroit de celui vers qui on va pour offrir la chose. Parce que Abraham a vraiment aimé Dieu puisqu'il va. Je crois que c'est l'ange qui l'a dit aussi. Il dit, mais Abraham, je sais que j'ai vu que tu aimes Dieu, que tu n'as même pas refusé effectivement ton propre fils. C'est-à-dire que cette adoration, elle est profonde, effectivement. C'est cela que Dieu réclame. Donc, quand nous entendons, comme la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, qu'est-ce que cela veut dire? Remarquez très bien aussi, frère, comme nous avons, lisons dans le livre de Matthieu, comme nous avons lu cela aussi, nous remarquons très bien, comme le Seigneur l'a eu à pouvoir de le faire part dans Matthieu, lorsqu'il a eu à pouvoir, Matthieu 16, effectivement, refaire les assemblées. Matthieu 24 devait dire cela, mais vous allez comprendre, effectivement. Il nous dit ici, dans Matthieu 24, regardez bien, Matthieu 24, voilà, c'est cela, oui. Pardon, voilà, il dit, regardez bien, ici il dit, verset 9, Matthieu 24, verset 9. Il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, c'est toujours important, frères et sœurs, lorsque les gens prennent le nom du Seigneur avec désinvolte, en fait, c'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas conscience de cela, les démons sont contents. Oui, parce que ils se disent qu'effectivement, qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas conscience de pouvoir savoir de quelle manière il va pouvoir utiliser ce nom. C'est important pour nous. Parce que on ne peut pas parler du nom d'une manière, n'importe quelle manière du nom du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui prononce le nom du Seigneur puisse s'éloigner de l'iniquité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'effectivement, que c'est un nom que l'on prononce, même dans le moment le plus difficile. On nous a toujours dit, il est un secours.
son nom puissant. Et c'est vrai, c'est le seul nom qui peut te apporter de réconfort. Ah oui, 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 oui. Dans le moment le plus difficile, il est vraiment un réconfort, à un secours véritable. Quand il est prononcé avec vraiment crainte, et puis dans la détresse, dans ton moment le plus bas, c'est le seul nom qui va te relever. Il n'y a pas un autre nom. Et ça, c'est 100% vrai. Et le diable le sait, que quand tu utilises ce nom-là, il viendra. C'est sûr et certain. Alors, il nous dit ici aussi, effectivement, il nous dit, regardez très bien, le volet sardine, il me dit, oui, alors, effectivement, plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres, ainsi de suite. Et pourquoi, effectivement, c'est parce que, comme il dit, évidemment, parce que l'iniquité se sera accrue, en fait, évidemment. Et c'est pourquoi, en fait, cela se passe ainsi. Parce que il y a un combat, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais la grâce que Dieu nous a accordée et ce dont pourquoi nous nous rassemblons. Et je vous ai toujours répété ici, frères et sœurs, ne regardez jamais le nombre. Vous vous dites, par exemple, que nous sommes petits, il y en a des grands. Non. Dieu n'a jamais choisi le nombre. Et Dieu n'a jamais regardé le nombre. Ce qui compte pour Dieu, c'est seulement ce que vous êtes à ses yeux, la qualité, en fait, l'âme qui est devant lui. Pour une seule âme, il peut descendre. Il ne faut même pas qu'il y ait nombré beaucoup. Une seule âme, simplement, il peut descendre. C'est ce que Dieu fait. Mais on le voit dans les Saintes Écritures, effectivement. Ça doit nous apprendre, effectivement, à comprendre cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu'il nous faut vraiment avoir la considération de ce nom qui nous a été donné. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, effectivement, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour lequel nous puissions être sauvés. Donc vous rendez compte effectivement le poids de ces noms pour le salut des âmes. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand on parle effectivement en rapport avec le Seigneur, il y a beaucoup qui parlent de Jésus. Et c'est vrai ça. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus. Et nous l'avons aussi lu aussi ensemble avec vous aussi dans les Saintes Écritures. Lorsque les sept fils de Séva sont partis pour pouvoir chasser ces démons, vous comprenez cela. Ils ont aussi répété, ils ont aussi dit au nom de Jésus que prêche Paul. Ils ont prononcé les noms. Mais vous savez comment les démons les ont répliqués. Il dit, mais Paul, nous connaissons. Parce que Paul, il ne pouvait pas prononcer ce nom comme cela. Il savait effectivement la valeur qu'avait son nom dans sa propre vie à lui. Il savait la puissance qui est venue dans ce nom-là pour son salut. Il pensait qu'il était sauvé, mais il était perdu. Mais ce nom-là l'a montré effectivement que voici le chemin du salut. Il dit, depuis qu'il a reçu ce nom, il sait effectivement où il en est. Donc effectivement, c'est comme cela que... Et puis il dit, mais Jésus, nous connaissons. Et Paul aussi, nous connaissons. Cela doit être exactement la même chose pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Tu ne dois jamais regarder les autres ni te comparer aux autres. Toi, frère et toi, soeur, la seule comparaison que tu dois te comparer, c'est avec la Bible. Tu dois, peu importe, même si un frère vient à côté de toi, il te raconte tout un tas de révélations, mais toi, pose-toi la question, Seigneur, moi ici, dans la Bible, je me retrouve où c'est? Parce que c'est ça ton problème, c'est ça mon problème. Où est ma place dans les Saintes Écritures? Seigneur, est-ce que je suis inclus dedans? Je ne peux pas être un étranger. Quand j'ai lu la Bible, je dois réaliser que la Bible parle de moi aussi. Vous savez ce que la Bible dit? Mais l'étiquette est là, le Seigneur l'a dit, non? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il est écrit de moi. C'est pourquoi je suis venu, oh Dieu, pour faire. Alors écoutez très bien, mon frère et ma soeur. Dans le rouleau du livre ici, il est aussi écrit de toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, son épouse. Mais tu es l'épouse de Christ. Donc tu dois, si tu l'es, hein, tu dois aussi, parce que si tu l'es, il est écrit de toi ici. Et s'il est écrit de toi ici, tout ce qui est écrit de toi, tu vas l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'elle sera irrépréhensible. Alors Satan peut faire tout ce qu'il veut.
Il peut venir avec toute la séduction qui peut venir, effectivement. Dieu a dit que l'époux sera irrépensible. Elle le sera. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle aura la foi parfaite. Pas parce que l'épouse le veut, mais parce qu'elle est censée l'être. Donc c'est la chose que Dieu... C'est pour ça qu'il fait d'elle effectivement l'épouse. C'est la chose que Dieu lui a réellement donnée. C'est ce à quoi, mon frère et ma soeur, ne perdons pas de temps avec des âneries à gauche et à droite avec les gens. Vous perdez votre temps. Oh, celui-ci, il a dit ceci, celui-ci, il a fait. Pourquoi perdre votre temps à cause de manger et de boire? Vous savez, dans Luc au chapitre 21, nous voulons lire avec vous ici pour que vous puissiez comprendre, afin que vous n'avez pas laissé Satan toujours jouer avec vous. Vous êtes des princes et des fils et des filles. Mais oui, non frère, on ne peut pas vous faire tournoyer pour des choses inutiles. Vous devez être un peuple qui sait où il en est. Dans Luc au chapitre 21, ici, le Seigneur nous le dit, hein, évidemment ici, Luc 21, nous le dit ici, à partir du verset 33, verset 32, il dit, je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Vous le savez, vous devez connaître. Parce que le monde ne sera blessé pas, mais le Seigneur se révèle à toi. Mon frère, à toi, ma sœur. Si aujourd'hui tu t'accroches contre vents et marées, en souffrant pour simplement ce nom-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi, mon frère. Et Dieu ne peut pas te laisser comme cela. Alors il dit, donc le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. C'est à toi, c'est à moi que le Seigneur s'adresse. Toi, tu es appelé pour une destinée royale. Vous êtes un peuple saint, oui, un sacerdoce royal. Un peuple choisi par Dieu et mis à part. Frères et sœurs, ne vous fricotez pas avec des choses inutiles sur la terre. Ne perdez pas votre temps pour des âneries, mon frère et ma sœur. Parce que vous êtes appelé à une destinée royale. Vous vous rendez compte que Dieu vous a choisi. Il a fait ses choix. Mais il est normal, frère, que si Dieu t'a choisi, à ses yeux, tu es précieuse. Et si Dieu t'a choisi, mais aux yeux de Satan, mais alors tu vas être la personne à battre. C'est normal qu'il t'a dit que les tribulations, vous les aurez. Il n'a pas dit que vous en épargnerez, vous les aurez. Sûr et certain. Mais, ne craignez point. Mais j'ai vaincu le monde. On passera par cela, effectivement. Parce que les choses qui sont dans le monde, effectivement, quand nous observons cela, effectivement aussi, ils sont très attrayants. Les diables, effectivement, mais nous sommes arrivés à un temps, mon frère et ma soeur, où de plus en plus, on doit se détacher des choses terrestres. Vous connaissez dans Romains au chapitre 8, non? Nous revenons dans Luc au chapitre 21. Vous connaissez Romains chapitre 8, non? Et regardez bien, on va quand même aller vite là-bas, puis on revient. Romains au chapitre 8, il est dit ici. Hein, cela. Voilà. Verset 12, il nous dit. D'abord, on peut lire verset 8 jusqu'au verset 12. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, avec E majuscule. Si c'est la même chose qu'il chez vous, parce que chez moi, c'est avec un E minuscule. Hein, tu comprends? Vous avez un E minuscule vous? Ah, mais chez moi, ici, c'est un minuscule. Que Dieu soit béni pour ça. Excusez-moi. Selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Vous suivez? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où c'est. Vous comprenez cela? Maintenant, voici les versets suivants. Il dit donc, ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à quoi? Donc, c'est-à-dire que nous devons dépasser ces stades-là. Est-ce que vous comprenez? Les querelles, les disputes, les échanges de ceci, pour ça, pour ceci, pour la soupe, pour les beignets, pour ceci, pour cela. Mon frère, non, ce sont des enfantillages. Vous devez être des personnes matures, pas au lait. Mais elle a une autour solide.
pour les hommes. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Et c'est vrai cela, frère. Nous devons nous-mêmes nous respecter. Ne plus entrer dans des discussions inutiles. Tu te respectes, toi, tu continues ton chemin. Parce que tu es une reine, une fille d'Abraham, un fils de Dieu. Et tu sais le pas que tu... Quand tu marches, effectivement, on a du respect. Et nous continuons. Il dit, sinon, dit, non. Donc, vous, il dit, mais si, il dit, pour vivre selon la chair, si donc, frère, nous sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Et puis, vient le verset que nous aimons. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc. C'est ce que nous aimons tous. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Nous n'avons plus à entrer dans des choses inutiles. Nous voulons simplement tendre à ce qui est. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni Dieu quand vous avez la parole ainsi qui sort. Et c'est cela que nous voulons avoir en nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir attendre toujours. Pardon. Comme Josué, comme Élisée, n'est-ce pas? Ah, j'ai laissé, moi je continue mon chemin. Je n'ai pas le temps à perdre. Oh, mais nous savons. Est-ce que c'est-tu? Vous savez, vous êtes resté assis. Moi, je continue mon chemin. Moi, je vais avancer. Non, je vais avancer. Dieu m'a accordé la grâce que cet homme ici vienne et jette son manteau sur moi. Il n'a pas fait sur vous. Donc, moi, je sais qui je suis. Est-ce que vous comprenez, frère? Les églises qui sont à l'extérieur de ça, pas. Mais toi, tu sais qui tu es. Dieu t'a choisi. Dieu a fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est honorable, mon frère. Les anges jettent des regards sur vous. Oui, il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est cela, frère. C'est le regard que Dieu pose. Nous revenons dans Luc au chapitre 21. Il nous dit ceci. Donc prenez garde, effectivement, à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès du manger et du boire. Vous entendez cela? Et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Voyez-vous, le diable, il est vraiment malin. Il est vraiment mauvais. Il va toujours nous mettre des problèmes, des conflits avec, pour qu'on soit toujours troublé à gauche et à droite. Frères et sœurs, c'est son travail de nous distraire. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin d'avoir nos pensées tournées vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous devons partir chez nous. C'est important, frère. Ah, vous dites, mais on a le temps. On n'a plus le temps. Regardez le monde, comment il va. Ils sont en tremblement aujourd'hui. Ils sont en train de discuter, mais est-ce que nous allons utiliser bombe, ils se posent des questions. Mais pendant ce temps, frère, l'église ne doit pas dormir. Tu penses que l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi. Quand tu entends cela, ma soeur et mon frère, qu'est-ce que tu dois faire? C'est un réveil. C'est pour ça que dans Romains 13, effectivement, il dit, mais c'est l'heure et le temps de vous réveiller enfin de votre sommeil. C'est vrai, frère. On ne doit plus se perdre son temps à discuter, à ceci, à cela. Oh, toi, tu as pris le mien, tu dois me rendre le mien. Bon, frère, s'il a pris, laisse partir. C'est vrai, frères et sœurs. Non, parce que ton Dieu à toi, peu importe d'une certaine manière, il te les rendra. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, frère. On ne doit pas entrer en discussion. Oh, tu as fait, et si, et tu mets, non. Tu dois te mettre là-bas, pas de problème, vas-y de l'avant. Moi, je ne vais plus avoir un fardeau sur mon cœur. Je vais être léger. Il n'y a pas de problème. Tu veux prendre ma voiture, prends. Tu veux prendre ma maison, prends. Est-ce que vous comprenez? Ne vous battez plus pour des choses inutiles. Bats-toi pour ta victoire. Concentre ta force maintenant pour ta victoire. Oui, Satan va secouer et dire, mais regarde ça, regarde ta maison. Moi et ma maison sont l'Éternel. Et si les épreuves viennent, Dieu soutiendra. Alors je continue la marche, effectivement. Mais regarde, mais aussi longtemps tu le regardes comme ça, mais c'est sûr et certain que tu t'affaiblis. Moi, j'ai mes yeux fixés sur lui. Les combats viendront, oui, c'est sûr, viendra. Mais Seigneur, où es-tu? Il est là. Mes yeux sont. Quand je le regarde, effectivement, je prends la force. Et vous vous souvenez quand même du serpent des reins. Le Seigneur dit à Moïse, mais prends le serpent des reins, mais il est sous la perche. Le serpent va mourir, il va brûler. Il n'a pas dit que je vais loin des serpents. Non, ils vont continuer à brûler à mort, effectivement. Mais il dit, mais lève-toi, serpent. Donc, lève le serpent des reins sur la perche.
Celui qui sera mordu, qui a seulement les yeux là, tournés vers ce serpent-là, eh bien, il ne pourra pas mourir. Le venin va disparaître. C'est sûr et certain. Mais si toi, tu ne regardes pas vers les serpents des reins, et qu'on t'a mordu, tu vas mourir. Aïe, aïe, aïe. Mais on t'a dit là. Satan fera tout dans ta marche à toi. Mon frère, n'oublie jamais cela. Satan va tout faire. Il ne te laissera jamais tranquille. Non! Il fera tout, même secouer chez toi, même dans ton travail, dans tout ce que tu fais, il va toucher. Tes enfants, tout ça, il va toucher. Ah oui, parce que n'oubliez jamais l'exemple que nous a été donné de Job. Dans tout, on a touché à tout de Job. Parce que pour que tu puisses comprendre effectivement que Satan, il sait ce qu'il doit faire pour pouvoir décourager une personne. Quand tu proclames la foi que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, à toi l'amour, la vie de Dieu, donc pour toi, s'il faut mourir, je l'accepte. Le diable l'entend. Il dit que si cet homme et cette femme est déterminé comme ça, moi c'est terminé. Ah oui, bien sûr. Vous n'avez jamais remarqué, frère, quand on parle de Martin de Fox. C'est quoi, c'était hier ou avant-hier, je pensais, j'étais entré. Vous savez, il y a des choses, j'ai regardé, j'ai dit, Jésus-Christ, mon roi, c'était des hommes comme moi qui pouvaient accepter qu'on prenne leur propre enfant, qu'on les scie, qu'on puisse les battre, même avec des gros marteaux. Vous ne pouvez pas lisez ce qui s'est passé. Les battre avec des marteaux. Ces hommes et ces femmes, effectivement, ont dit, mais ils ont regardé et dit, moi, abandonner la foi, jamais. Même si mon fils, là, même si mon enfant ici, il est en détresse, là qu'on n'a pas, si même si Dieu n'a pas mis la main pour que le marteau ne tombe pas sur lui, que le marteau tombe sur lui, je suis d'accord. Frères et sœurs, on les prenait, c'est pas une histoire, c'est connu dans le monde. On les mettait sous le bûcher, là, on les attachait comme ça, on mettait le feu en dessous. Non, vous n'avez pas, peut-être pas lu effectivement cela, mais vous avez, c'était qui dans l'histoire? Des chrétiens, parce qu'ils étaient des chrétiens, des croyants, qui croyaient réellement à la parole de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de tout leur cœur. Mais on les brûlait dans les stades, effectivement, à Rome. C'est connu, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Bien sûr que cela. Mais ces hommes et ces femmes, comme toi et moi, on pouvait les brûler, effectivement, vous savez ce qu'ils faisaient? Mais ils ne faisaient que chanter, glorifier Dieu et louer Dieu. C'est vrai, ma soeur, c'est très important, parce que ce que nous entendons, l'épreuve va arriver aussi chez toi à la maison. À un moment, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu que tu chantes aujourd'hui, quand l'épreuve viendra, il viendra, il deviendra un Dieu que tu dis, il n'a rien fait, il ne fait rien, mais pourtant il le fait. Souviens-toi quand même d'où tu as été tiré. C'est qu'il a fait quand même. Il ne fait jamais chose à moitié. Mais c'est normal qu'on passe par les épreuves. L'épreuve forme le caractère. Et aussi, il faut toujours comprendre une chose. J'aime ce Dieu de tout mon cœur, peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie. Mais regardez une chose, frère. Non, parce que je sais cela. Parce que vous, il est en fait certain que quand les épreuves commencent à arriver, effectivement, on voit la couleur qui sort. Vous ne voyez plus. Mais c'est vrai. Et comment voulez-vous prétendre que nous voulons aller au ciel? Frère, au ciel, ce n'est pas que tout le monde va entrer. Non, il faut prouver que tu es digne. Jésus-Christ n'est pas venu comme ça, qu'il est monté, il est rentré. Non, il a été haï, il a été flagellé, il a souffert. Oui, tous les démons l'enfer. C'est pas pour rien que là, quand on a posé la question, mais qui est digne? Personne ne s'est trouvé. Mais il fallait vraiment quelqu'un qui est passé par le feu. Et c'est sûr et certain. Il a souffert. Évidemment, il a combattu jusqu'au bout. Il a même eu de glucurimon de sang. Vous le savez, effectivement. C'est pour ça qu'on dit que quand on l'a trouvé, voici. Et quand on a même dit que voici donc les lions de la tribu de Judas qui a vaincu parce que personne ne pouvait y arriver. Vous savez, non? Enfin, vous connaissez, vous avez vu là, comment il était? Quand il est sorti, c'était pas les lions. C'était un agneau ensanglanté. Vous avez lu ça quand même, non? Vous n'avez pas lu? Bon, je vois un silence. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez la Bible. Hein? Ça, c'est cette écriture, je le cite tout le temps ici, je crois, chaque fois dans les rayons. Vous n'avez jamais lu ça? Regardez bien. Apocalypse, au chapitre 5. Regardez très bien. Voilà. Regardez bien. Apocalypse chapitre 5, verset 1, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était donc assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. » Vous vous souvenez?
J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni peut ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de regarder. Vous vous souvenez? Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme... Vous entendez? Et bien sûr, que là, ce qui a dit que quand on dit immolé, c'est qu'il était déjà entaillé. C'est pour ça qu'il est monté avec son propre sang. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a eu à pouvoir souffrir et il a vaincu. Mais toi aussi, nous le disons, non? Si nous souffrons avec lui, c'est vrai ou pas? Vous pouvez chanter ça? C'est des gris. Alors toi, tu ne veux pas souffrir. Tu veux quoi? Quand tu mets sur les portails dedans, des roses avec ça que tu montes au ciel, lui, il est monté. D'abord, il a souffert avant de monter. Un chrétien qui n'accepte pas la souffrance, ce n'est pas un chrétien. Ah ben oui, c'est la religion du monde, en fait. Parce que si tu es... Et d'abord, il faut comprendre effectivement ce qu'il en est. C'est qu'il a dit, je bâtirai mon église. Donc, son église à lui... doit passer par cette épreuve, effectivement, dit, les portes de ce jour de mort. Ne dites pas que oui, le frère a dit qu'il va passer par la tribulation, vous savez vous-même. Mais vous savez que nous, en tant qu'individus faisant partie du corps de Christ, on doit passer par des épreuves. Ben oui, bien sûr que oui. Oui, c'est écrit cela. Et puis, c'est par les épreuves aussi qu'il y a la sélection. Oui, mes sœurs. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi certaines choses vous arrivent quand même dans votre vie. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas créé des problèmes aux gens, mais des situations difficiles vous arrivent. Bien sûr que les saintes écritures, la parole de Dieu, vous ne réalisez pas pour vous qui aimez les Seigneurs, s'accomplissent dans votre vie sans que vous vous rendez compte. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, effectivement, frère, ma soeur, mon frère et ma soeur, vous dites, nous aimons Dieu, mais quand l'épreuve viendra, il y a l'amnésie qui entre. La chair. C'est pour ça que la chair, les émissions du corps, effectivement, ça commence à pouvoir se faire. Oui, sinon, frère et soeur, quand que ce soit l'épreuve, même si on nous a... Vous savez ce qu'on nous dit dans les scènes, dans Romains chapitre 8, vous savez Romains chapitre, vous allez le redire, hein? Romains 8, regardez très bien ce que Romains 8 nous dit. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous sommes, effectivement, si. Oui, Romains chapitre 8, regardez très bien, il nous dit. Voilà, c'est ça. Voilà. 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 Il dit ceci. Romains 8, verset 33 d'abord. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous permettez, je vais quand même relire le début, hein. Vous savez, ça, je vais aller quand même lire, hein. Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son... Vous entendez cela? Appelés selon son dessein, dans son plan. Vous comprenez cela? Alors il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi à être qui? Semblable à l'image de son fils. Donc toi, tu ne peux pas manquer. Non, que Dieu te bénisse. Que te bénisse aussi, mon bien-aimé. C'est-à-dire que toi, que Dieu a choisi, mis à part, tu seras comme Christ. Enfin, c'est écrit ça. L'écriture ne peut pas faillir. Ça doit s'accomplir. Maintenant, regardez très bien. Alors, si tu dois être comme lui, alors ce qui veut dire que, puisqu'il a été taillé lui-même aussi, de la même manière qu'il a eu à pouvoir souffrir et passer par là, vous devez passer aussi.
Mais la grâce que Dieu nous a accordée de passer, non, il est bon. Hein? Vous entendez bien? Jésus-Christ, notre Seigneur, il est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Et tu chantais tout à l'heure comment? Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. J'étais perdu. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Mon frère, Amen. Mon soeur, même dans les moments difficiles, Dieu est bon. Parce qu'il regardait très bien. Il est bon. Il a vaincu. Même quand tu passes par l'épreuve le plus difficile, il a déjà donné la victoire puisqu'il a vaincu pour toi. C'est-à-dire que pour toi, c'est comme... Non, que Dieu soit béni. Un élu, mon frère, ne va pas échouer. Ça peut être dur n'importe comment. Il t'a équipé de quelque chose. Il va te donner la force de tenir pour repousser l'adversaire. Frère et sœur, ton Seigneur Jésus à toi, il n'a pas été mis bas. Il dit qu'il a vaincu Satan. Donc s'il est en toi, Satan peut frapper. Il va trouver Jésus en toi, mon frère. C'est pour ça que, écoutez bien ce que cet homme de Dieu continue à pouvoir dire. Il dit, afin que son fils le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... Donc, c'est-à-dire que si le Seigneur t'a justifié, c'est-à-dire que le chemin est ouvert. Maintenant, écoutez bien. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Parce que Satan est là, non? Pour t'accuser, Satan est là pour te mettre sous pression. Il dit d'abord, mais ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc prédestinés, ça veut dire qu'il peut pas. Il dit, mais et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous me suivez bien? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. N'est-ce pas vrai? Il dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Que Dieu te bénisse. Maintenant, regardez très bien, parce que Dieu t'a justifié. Maintenant, écoutez très bien, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33, qui accusera les élus de Dieu? Parce que Dieu t'a justifié, il t'a même sanctifié, il t'a aussi glorifié, parce qu'il a déjà fait, tu y seras dedans. Alors, Satan va t'accuser sous quel terme? Mais c'est un accusateur. Il les fera toujours. Mais Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire pour toi. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, le glorifier, l'adorer, parce que ce qu'il a fait pour toi et moi, nous n'avons pas encore apprécié la valeur. Oui, et c'est sûr et certain, mon frère. Mais oui, parce que dans tous les combats que tu as, c'est vrai, à ce moment, nous sommes là, attristés, pas ceci et cela, mais dans tout le combat que tu as, que tu passeras, mon frère et ma soeur, la victoire est assurée. La victoire est assurée, pas pour ce que toi tu es, pas parce que tu as fait des efforts, parce que non. Parce que lui, il a fait cela et il t'a choisi. Maintenant, il t'a accordé la grâce. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous comprenez? Frère, c'est pour ça que Abraham ne s'est pas affaibli. Abraham avait compris que moi ici, Abraham, alléluia, je ne peux pas mourir. Peu importe ce que je peux avoir de douleur dans mon corps, mais aussi longtemps que Isaac n'est pas sorti, je ne mourrai point. Oui, mais je ne sais pas si vous comprenez ces choses, ma soeur. Aussi longtemps que Isaac n'était pas sorti, il pouvait même vivre 200 ans. Aussi longtemps qu'Isaac n'était pas sorti, la maladie pouvait frapper, on pourrait l'amener dans les ambulances, vous l'amener dans les urgences, il ne sait plus respirer, on met les tuyaux et les pompes, Abraham n'allait pas mourir. On le tient comme ça, il ne tient pas debout, Abraham n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Il faut que Isaac sorte. C'est pour ça qu'il ne considéra pas que son corps était usé, malgré qu'il était usé, et que Sarah était vieille, pas de problème. Mais de toi la vieille ici, tu vas avoir un bébé. C'est ça, mon frère. Vous savez ce qu'il dit dans ma parole? Il y a une pleine conviction que c'est lui qui promet là. Il ne peut pas faillir.
Lisez bien le Saintes Écritures. On nous montre les caractères des fils de Dieu, des élus de Dieu, comment ils réagissent, même dans les épreuves. Parce qu'il se souvient, non, Dieu avait dit, même dans les épreuves avec son fils, ça j'ai pris, j'ai dit Seigneur, c'est extraordinaire. Même avec son fils, il savait. Cet homme nous a prouvé qu'il croyait en Dieu et qu'il avait confiance que rien ne peut arriver à Isaac. Même s'il est tué, Isaac allait ressusciter et qu'il descendrait avec Isaac dans la montagne. Quelle révélation, quelle foi. C'est ça un élu, mon frère. La pression peut venir. Alors nous continuons, nous allons arrêter après. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Eh bien, c'est Dieu qui. Est-ce que vous avez compris? L'important, c'est que la Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en qui? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je l'ai, je sais que Dieu m'a accordé la justification. Satan peut se lever pour me pointer du doigt. Bon, ça ne veut pas dire que, bon, ben, demain, je me lève maintenant, je vais à tous les, à la rue d'Ascot et je fais ce que j'ai envie de pouvoir, puis Dieu m'a justifié. Est-ce que vous comprenez? Non, monsieur, tu te tiens. Ça peut arriver à tout le monde, même pour une situation dans laquelle on peut chuter, mais Dieu sait que ça t'est arrivé, mais ce n'est pas la chose que tu voulais. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous devons comprendre, connaître Dieu effectivement de tout notre cœur. Non, effectivement, à ce moment-là, Satan va dire, ah, il a fait, il a fait. Alors à ce moment-là, on nous dit une chose qui est très importante. Lui, il est un avocat pour nous. Et il intercède. Alors, écoutez, frère. Avoir un avocat comme lui, il est le seul que Dieu a agréé dans tout. Parce que quand on a cherché quelqu'un, on n'a trouvé personne. Mais cette personne-là que Dieu a eu à pouvoir aimer autant, vous connaissez bien, j'avais oublié de donner. Et cette personne-là, cet être-là, il devient ton avocat à toi. Donc, chaque chose qu'il dira à Dieu. Et vous entendez? Donc, Satan vient, il t'accuse bien avec une liste pleine hein, de ce que tu as fait. Mais l'avocat, là, il sort. Vous entendez? Donc, l'effet que Dieu le voit, son cœur est déjà oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu es un avocat comme ça, glorifie Dieu. D'avoir trouvé un bon avocat, et quand il va devant le juge, il dit, oh, c'est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez? C'est important, mon frère. Comprenez tous ces rôles que le Seigneur joue pour toi et pour moi. Pour t'assurer à toi la certitude que tu vas aller au ciel. C'est pour ça, ne laisse pas ce Jésus en cours de route. Mon frère et ma soeur, qu'il n'y a aucune situation tellement, il n'y a pas un problème sur la terre qui soit si grand, si important, plus grand, que ce Jésus ne peut résoudre. Mariage. Et c'est vraiment la chose la plus importante pour toi dans ta propre vie. Enfant. Est-ce moi, en pensant à cela, je pense à ma bien-aimée soeur, Tiffany. Vous vous souvenez ici que notre soeur Tiffany devait partir au Congo à ce moment, puis l'avion raté, et puis paf, et puis l'avion, elle est partie au Congo. Elle disait, je vais partir pour faire ce que je devais faire là-bas, effectivement. Et quand elle est arrivée là-bas, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré une dame. Et cette dame était une catholique, je pense, ma soeur. Ah bah, cette dame. Et cette dame vient vers la soeur, elle dit, ah, parce que vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on est toujours très attiré. Il y a des gens qui s'attirent, on sent que non, ils s'attirent, ils vous voient effectivement. Et puis quand ils vous voient, ils voient que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ils sentent le cœur poussé à parler. C'est comme ça que la dame est venue la voir pour lui dire, voilà, moi j'ai un problème, ça fait des années, je suis mariée avec mon mari, on a tout fait, ça ne marche pas. Pas de bébé, on fait, on a parti, on a pas dada, il n'y a pas de bébé. Et parce que vous voyez, même la belle famille, il faut que je puisse avoir un bébé. Il a fait tout, il n'y a rien de bébé qui vient. C'est comme ça qu'elle a parlé avec sa soeur. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que vous me conseillez? La soeur dit, mais moi je te conseille une chose, c'est que nous avons un Dieu qui donne des bébés. Est-ce que nous, dans ton prix? Alors, je vais demander à mon pasteur, vous pouvez entrer en contact avec lui, qu'il prie pour toi. Et quand il aura prié pour toi, je suis sûr que tu auras un bébé. C'est ce que notre soeur a fait. Et puis là-bas, il m'a appelé.
Je dis, voilà, j'ai rencontré cette dame ici, effectivement, aussi. Elle est vraiment gentille, vraiment avec un bon cœur, effectivement, mais elle fait tout pour avoir bébé, pas de bébé. Effectivement, aussi, ça pose un problème. Et j'ai dit, bon, parce que là, moi, je parlais avec la dame, je commençais à lui poser la question. Je lui ai parlé, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est là, là. Je vous l'ai dit, bon, bon. Est-ce que tu acceptes, Seigneur? Oui, j'accepte tout mon cœur, effectivement, c'est bon. Il est capable de pouvoir te donner le bébé. Et puis, au téléphone, je priais pour elle aussi, effectivement aussi. Puis là, il va pouvoir appeler encore. Puis nous avons prié tous ensemble ici. Peut-être que vous avez oublié, mais oui. Et alors, merci. Et voilà que. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche passé. C'est dimanche qui vient de se couler ici. Alors, je vois encore un Delphine qui m'appelle au téléphone. Là. J'étais là. Alors, il me dit, mais est-ce que je peux te voir? Il y a une urgence. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'étais tellement faible. J'ai dit, oui, mais parce qu'il y a une dame qui est venue et qui s'appelle Nadine. Est-ce que vous vous souvenez de Nadine? J'ai dit, Nadine? Eh oui, mais celle dont vous avez, qui n'accouchait pas, celle dont vous avez parlé et prié quand elle était à Goma, lorsque maman était partie. J'ai dit, mais viens avec, elle vient ici. Et je vois qui? Elle rentre, c'est ça, non? Et puis je vois ma bien-aimée soeur qui rentre. Et quand elle rentre dans mon bureau, je suis content. Elle sourit, elle commence à danser, elle-même commence à danser. J'ai dit, gloire à Dieu, quand elle danse, ça veut dire qu'il y a bonne nouvelle. La radio. Et puis il dit, édition spéciale. Alors quand elle a dit ça, j'ai dit, et ça c'est terminé. Qu'est-ce que c'était l'édition spéciale? Il me dit, tu te souviens la dame? Nadine là. Il dit, oui, il est ici. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais en fait, comme elle est venue là, c'est pour aussi, Dieu a permis qu'elle vienne pour un témoignage. Qu'elle, elle est en train d'attendre un bébé. Ah oui, frère. On a l'impression que Dieu n'entend pas. Non. Dieu entend. Laissons-lui le temps. Quand on a prié, laissons-lui le temps. Il sait à quel moment il est fait. Mais elle ne savait pas, elle a fait son travail. Dieu l'a pris pour que cette femme-là soit sauvée. C'est vrai. Alors, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a-t-il une chose qui soit difficile à l'Éternel? Serait-ce le travail? Pour lequel je n'ai pas trouvé de travail. Maintenant, je suis fatigué, je priais, c'est Dieu. Ça devient dur et je n'arrive même pas à payer la maison. Je n'ai pas de travail, comment je vais avancer? Alors, j'ai prié, c'est Dieu. L'entourage, je vois qu'il ne fait rien. Je vais chercher chez les catholiques. Vous pouvez. Hein? Je vois sur l'internet et tout ça, il y en a des faiseurs, des miracles et tout ça. Je vais chercher pour téléphoner parce que lui, il va faire. Et c'est ça, vous avez. Oui, bien sûr, allez-y, pas de problème. Mais moi, je resterai avec ce Jésus de la Bible, même si ça prend 10 ans. Même si ça prend 30 ans, je suis sûr et certain qu'il va répondre. Alléluia. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que mes prédécesseurs n'ont jamais changé de Dieu. Dans la fournaise ardente, mon frère et soeur. Les autres ont prié. Je dis, ah non, nous on va prier les Belshazzar et tout ça. Et ils ont dit, non. Ça, c'est au roi. Que notre Dieu a la capacité, même si Nous ne nous agnerons jamais pour avoir les richesses de matériel, effectivement. Jamais. Mon frère et ma soeur, il faut savoir les choix que vous avez faits dans votre vie. Vous n'avez pas choisi n'importe quoi, n'importe qui. C'est Dieu qui s'est donné ce choix de pouvoir vous choisir. Et quand Dieu vous choisit, ça pèse lourd. C'est sûr et certain que Dieu vous choisisse, mais les démons sont dans la colère parce qu'ils connaissent quand Dieu choisit, c'est le bonheur pour la personne. Ils ne l'auront jamais. Ils ne vont pas te laisser tranquille, ils vont te traquer. Bien sûr, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il nous dit ici dans Matthieu chapitre 21, je vais vous laisser un peu, on termine avec Romains 1. Il dit, verset 34, prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger. Le diable va vous donner. Nous sommes dans un siècle. Ouf, tout ce que vous voulez. Vous savez, à l'époque, par exemple, à l'époque, il y avait des fruits de saison. Quand on est à cette période ici, vous n'avez pas, c'est tel fruit. Quand on arrive en hiver, vous avez tel fruit, vous n'avez pas tel, etc. Mais aujourd'hui, vous voulez manger des mangues, même en hiver. L'insafou. Mais oui, bien sûr. Tout ce que vous voulez manger. Vous savez, ça, on n'est pas dit. Et puis même pas vous déplacer. Coloroid ou Deleuze. Mettez dans mon paquet ça. Venez à la maison avec.
Colis Express. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez manger? Tout ce que vous voulez, même les sangliers. Même les symboliques. Tout ce que vous voulez, même si vous avez une viande que vous voulez manger au Pérou, ça viendra. Ça veut dire que le diable vous met tout. Et vous savez ce que j'ai appris? Enfin bref, c'est entre parenthèses. Vous comprenez? J'ai dit, Seigneur, aide-nous. Et les gens ne comprennent pas. J'ai dit, Dieu notre Seigneur a toujours raison. Vous savez, on dit que le corps de l'homme ici est tellement rempli des antibiotiques que quand on vous donne des antibiotiques, le corps, les microbes qui sont là-dedans, ils sont déjà immunisés. Et pourquoi nous sommes tant pleins des antibiotiques? Mais parce que les antibiotiques que vous allez acheter en pharmacie, on en donne en triple dose à toutes les bêtes que vous mangez. Eh bien oui, donc toutes les viandes que vous avez sur le marché, donc quand vous le mangez, et vous êtes plein de médicaments, parce qu'il y en a ceux qui mangent, je sais, j'avais entendu comme quoi des cataflans, il y a un médicament qu'on donne aux gens, vous trouvez des tout effectivement dans le corps, dans tous les bêtes que vous avez ici, on les injecte tout ça. Donc quand vous mangez tout ça aussi, quand nous mangeons, donc nous avons encore les excès de médicaments dans notre corps. C'est pour ça que quand tu as un peu une petite maladie comme ça, tu prenais ça à l'époque, ça marchait, maintenant ça ne marche plus. Il faut qu'on te dose beaucoup plus encore, beaucoup plus encore. Maintenant, il y a des microbes, effectivement, qui tous les antibiotiques qu'on donne, ça résiste. Il faut trouver encore les antibiotiques beaucoup plus supérieurs. Alors j'ai dit, Seigneur Jésus, donc nous mangeons la mort nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, mais tu as raison. C'est pour ça que tu nous dis, non, qu'il faut toujours prier. Il y en a de ceux qui sont là, qui quand ils trouvent ça un hamburger, frère, ma soeur, tout ce que tu vois, vous savez comment, vous savez ce que j'ai aussi appris, que dans toutes les boissons que vous aimez là, que vous buvez sans prier là, on met ce qu'on appelle désinfectant, des peintures. Oui, monsieur. J'ai vu, j'ai entendu. Il a même ouvert la boîte. Il dit, j'ai dit ça pour que je dans l'eau de dans le boisson là que vous avez là. Si vous savez ce que vous buvez. Il dit, si les gens comprenaient un super coca, un super Fanta, vous vous rendez pas compte comment vous vous tuez avec toutes ces saletés. Mais c'est vrai, ce sont des saletés. Alors, si vous savez ce sont des saletés, alors ne perdez pas votre argent à acheter ces choses-là. Oh, il y en a de ceux-là parce que dans le coca, j'ai entendu qu'il y avait dans le coca. Mais ce n'est pas moi, parce qu'ils l'ont dit, on avait mis un peu. Je ne vais pas me éloigner, je vais revenir à l'écriture. Hein, qui est là. C'est plus simplement ta parenthèse. Dans le coca, quand vos enfants. Maman, coca, t'as aussi. Brrr, eh bien, tu es en train d'en faire un drogué. Quoi. Petit drogué, eh bien oui, parce que c'est là aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, s'ils ne boivent pas le coca, ils ne sentent pas bien. Mais c'est parce qu'il y a une petite dose de cocaïne là-dedans. Et tu deviens toi-même, hein. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien. Mais il en a bu une bouteille de coca dosée. Enfin bon, c'est pour ça que ne vous précipitez pas à manger n'importe quoi avant. D'abord, pour boire de l'eau. Parce qu'on nous a dit que dans l'eau que vous avez dans le robinet, là aussi. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses. Vous n'allez rien boire, ni même pas manger. Mais c'est vrai. Que ça soit l'eau, n'oublie pas l'eau. Non, d'abord, Seigneur, mon Dieu, sanctifie tout ce que je veux manger, l'eau que je bois là-bas, que tous ces microbes-là qui tuent là, ça sort. C'est pour ça que vous êtes malade. Pourquoi? Parce que vous buvez des choses qui sont dans l'eau. Vous voyez combien Dieu nous aime. Amen. Ah, bon, nous continuons. Luc 21, puis nous entrons dans Romains 8, et puis on va prier. Il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appellent par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie, il va vous en mettre beaucoup. Hein? Il y en a de ceux qui, ça nous arrive, c'est que tu dors un tout petit peu, le téléphone cousin Congo, oh le cousin là-bas, il est malade. Tu termines avec un cousin, oh l'oncle là-bas, oh ceci. Donc, c'est-à-dire que toi tu vis ici, que tout, et puis c'est comme ça qu'on vous pousse à, oui c'est cela effectivement, oui. C'est-à-dire que vous êtes là comme étant simplement pour vivre pour ceux qui sont là-bas. Que Dieu nous aide. Il faut une délivrance. Ils ont besoin de la prière. Bien sûr, de la délivrance, ces gens-là, bien sûr.
Il y a parfois des faux malades. Hein. Ah, cousin, et je dois aller à l'hôpital pour extraire quoi. Oh, on a dit quelque chose. Tu donnes l'argent comme ça. Oh, on m'a dit que j'étais guéri parce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, c'est que le médecin, un autre médecin a observé. Il a dit que c'est... Mais il a déjà reçu l'argent. Et pendant ce temps-là, toi, les nuits, Seigneur, je vais trouver 50 dollars aussi. Je vais trouver 50 euros aussi. Tu transpires. Au lieu d'avoir les sommeils pour pouvoir dormir et paix, entraînement pour prier Dieu pour ta foi, non, tu commences à pouvoir te tourmenter. À qui est-ce que je vais trouver 50 dollars? À qui est-ce que c'est souci de la vie? Les diables les utilisent aussi. Oui. Mais bien sûr. Bah oui. Hein. Il sait toucher les cordes sensibles. Hein. Ah, ton grand-père, ah, ton oncle, ah, ta maman, et ton cousin, et on a dit, oh, ben, t'as dit, ah, c'est vrai que je dois prendre ce, mais tu n'as pas de moyens. Tu vas commencer à dire, ah, frère Christian, ne peux-tu avoir pas 50 dollars? Mais 50 dollars, c'est pour t'aider, toi. Toi, ma soeur, quand tu as besoin, ah, c'est pourquoi, ah, j'ai quelque chose à faire, c'est quoi? C'est parce que tu t'es tourmenté pour la personne qui est là-bas. Et quand tu lui envoies 50 dollars, tu sais ce qu'il va faire? Il va acheter des chaussures qui n'ont aucun mot. Mais bien sûr, tu vas les trouver, tu le regardes la télé, la photo, hé, hey, toi, tu t'habilles comme ça, hey, moi, je ne dors pas la nuit, pensant que tu m'as annoncé pour aller acheter de grosses choses là, on dit que, mais oui, mon frère et ma soeur, vous souffrez pour rien. Tu as besoin de 50 pour toi. Moi, je vais bien te donner. Toi, va manger. Alors, quand j'ai un extra pour lui, oui. Et c'est la vérité. Ah, oh, frère, mais le Seigneur a dit, ne vous dépouillez pas. Ben, si nous n'avons pas, eh ben, on n'en a pas. Eh ben, vous avez quoi? Oh, j'ai un problème, je ne vais pas manger. Ok, moi, Dieu, mon Dieu à moi, entend la prière. Je vais prier pour toi. Mets les téléphones aux oreilles. Il ne va plus t'appeler une deuxième fois. Hein. Ah oui. Si tu es toujours, j'envoie, dis non. Maintenant, je vais imposer les mains. Dis-moi, tu as comme problème quoi? Dieu va que je vais. Tu crois en Dieu? Oui, je crois au Seigneur. Allez, ben, maintenant, on va prier. Deuxième fois, on va prier. Troisième fois, on va prier. Quatrième fois, bon, celui-là, non, faut pas l'appeler. Normal. Bon, on revient ici. On termine. Car il viendra. Vous avez entendu, Seigneur. Et par les 7 jours, il reviendra. Ces jours, il reviendra. Il va 7 ans, il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez quand? En fait, que vous ayez la force d'échapper. Et c'est ça que Dieu nous veut, en fait. Que tu pries pour ton âme, que tu pries pour les autres. Pas tracasser, non, d'abord prie. La prière est d'une grande efficacité. Elle résout beaucoup de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton soutien, ton secours. Nous étions affaiblis, tu nous as ramenés forts, mon sauveur. Merci encore pour ta bonté à notre endroit, la grâce que nous avons à ta voix, Seigneur, bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir te servir. Ce peuple est à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il a toujours besoin de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'a point d'autre Dieu vers qui il peut se tourner encore aujourd'hui. Nous te remercions de tout notre cœur, mon roi. Oh Dieu, nous serons toujours à genoux, attendant que tu agisses quand tu le veux, mon bénévole Père Tibissant. Et en ton temps, toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, personne ne peut te forcer, personne ne peut te donner des ordres, Père Saint-Dieu, parce que tu as la capacité de faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que nous te supplions encore aujourd'hui. Nous implorons ta grâce, mon roi. Soutiens-nous. Viens-nous en aide, mon bénévole Père Saint-Dieu. Secours chacun de nous. Garde mon frère, garde ma soeur. Que ton peuple soit relevé, que ton peuple soit fortifié, qu'il puisse réellement te servir toi, t'adorer toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'avons, c'est vraiment suffisant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie encore, Père Saint, d'être notre Dieu. Relève mon frère, relève ma soeur, mon bien-aimé Père Tibissant, qui passe par l'épreuve, qui passe par la maladie, qui passe par le soutien, par les problèmes, Père Tibissant, Dieu. Seigneur, aujourd'hui, à cause de la grâce à mon frère, à ma soeur, mon roi, savoir que tu es réellement notre solution et que, Père Tibissant, Dieu, l'épreuve passera, mon bien-aimé Père Tibissant, les soucis passeront, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, les difficultés passeront, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que nous t'avons toi, notre Seigneur. C'est pourquoi nous voulons revenir à toi, toujours à genoux, mon bénémoine Père Dieu. Merci de pouvoir nous aider à dresser nos genoux, bénémoine Père Saint-Dieu. Merci de revenir à toi, bénémoine, par les prières, par les jeunes, mon roi. Nous avons besoin de ton secours et ton soutien, mon roi, parce que tu donnes la victoire dans tous les domaines de notre vie, bénémoine Père Saint-Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'aimons de tout notre cœur. Merci d'être là. Merci d'être vivant, mon sauveur. Merci vraiment que tu sois là, Père Saint-Dieu. La joie que nous avons de voir savoir que même dans nos difficultés, tu es toujours présent, Père. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Jamais toi, jamais toi.